Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur ce Barana. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est la première partie qui apparaîtra sans doute à la fin de cette vidéo sur l'écran de Seigneur Sobodi ici. Nous avons découvert des choses graves, 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 graves que la femme du diable nous a révélées. La femme du diable est ici. C'est la partie 2. Ici, elle va nous révéler tas de trucs terribles sur les chrétiens. C'est un témoignage puissant. Mes frères et sœurs, c'est grave. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que sa miséricorde surabonde chez nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout ce que nous faisons. Et que Dieu lui-même trouve une place dans son cœur pour nous pardonner tous nos péchés. Et qu'il déploie ses anges pour nous garder. Et qu'il nous donne sa connaissance ce soir. Afin que nous puissions savoir tous les plans du diable. Parce que pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Amen. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre, c'est extraordinaire. Partagez cette vidéo maintenant. Ça va vous étonner. Écoutons ça. C'est la deuxième partie. C'est parti. La reine de la côte s'est apparue avec orgueil, comme si c'est elle qui a créé l'humanité. Elle était venue avec six veaux. Wow. Ces six veaux sont les gens qui ont refusé de s'élever. Et elle les a transformés en des veaux. Croyez-vous que vous allez me désobéir comme vous êtes en train de désobéir cet homme juste à l'église? Pensez-vous que c'est ça dans notre royaume? Je vais vous utiliser. Donc elle a transformé des gens en des moutons, quoi. Ou bien en des veaux. Maintenant, elle a dit, vous pensez que vous allez me désobéir comme vous désobéissez à l'homme juste, genre à Jésus-Christ. Pour les chrétiens, c'est facile de désobéir à Dieu. Même quand vous leur dites, venez à l'église à l'heure, ils ajoutent 2 heures sur l'heure et ils se présentent après là-bas. Apparemment, elle ne rigole pas. Et c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres qui sera révélé ici. Il y aura tout un tas de choses terribles. Soyez prêts. Écoutons ça, c'est encore fini. Je vais utiliser tous ces moyens pour vous arrêter. Dans notre royaume, il n'y a pas l'indiscipline. Dans notre royaume, il y a la discipline. Si vous êtes discipliné, vous aurez des grandes choses dans mon royaume. Maintenant, je vous envoie. Vous, les bouchers, allez dans les marchés, tuez-les et vendez-les. Vendez leur viande pour que les fous qui ne prient même pas dans leur maison avant d'aller au marché pour acheter puissent les manger. Hein? Donc, les hommes qui ont désobéi à cette femme démon-là, ou encore la femme du diable, cette femme-là a transformé, en mouton ou encore en veau, et elle a demandé aux gens d'aller les vendre sur le marché. Avec ceux qui ne puissent pas, qui ne prient pas avant de manger, ou bien qui ne prient pas avant d'aller au marché, puissent les acheter. Donc, ce ne sont pas, tous ces, ce sont pas tous ces, toutes les viandes qui se trouvent sur le marché qui sont des viandes normales. Hein. Il y a des trucs, hein. C'est grave. Hein. Tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment grave, même. Écoutez ça. Yee. Nous sommes en train de perdre. Et notre chef Lucifer est mécontent de nous parce que nos temps sont à terme. Et le nombre que cet homme juste est en train de chercher sera bientôt à terme. Si vous permettez aux gens d'aller au ciel, les mois derniers, 4 personnes sont déjà parties au ciel. Nous n'avons pas le temps, nous devons agir le plus tôt vite. 4 personnes sont parties au ciel dans 4 mois. Cet homme que vous, cette femme que vous voyez sur l'écran, nous avons besoin d'elle. Et les 9 esprits démoniaques m'ont fait savoir qu'au travers cette femme, les 4 personnes qui sont parties au ciel, il y a 2 d'Ouganda, une de Zambie et une de Nigeria.
Alors je vous envoie 22 agents vers cette femme et faites en sorte que vous êtes des nouveaux convertis. Allez dans sa maison. Faites comme si vous êtes des évangélistes. Faites comme si vous voulez l'amener au Seigneur Jésus. Posez-la la question où elle est en train d'adorer. Et dites-le que vous êtes des nouvelles personnes dans le quartier. Allez dans son église comme des nouvelles personnes. Et elle va devenir votre amie. Étudiez sa vie petit à petit. Donnez-lui des cadeaux pour lui. Jusqu'au moment où vous l'atteignez. Ne lui donnez jamais le temps de lire la Bible. Ne lui donnez jamais le temps de lire la Bible. Faites en telle sorte que vous l'appelez chaque temps au téléphone, à l'heure de prière, et causez avec elle jusqu'au moment où elle oublie complètement qu'elle doit prier. Éteignez le feu en elle. Que six d'entre vous aillent dans son bureau. Faites comme si vous êtes des collègues. Deux d'entre vous essuyez ses tables, son bureau, invoquez les démons, les esprits sur les chaises, les tables, les esprits de la confusion, là où se trouvent ses chaises, son bureau, invoquez des démons, que deux d'entre vous travaillent comme des collaborateurs et étudiez sa vie et cherchez à savoir ceux qui sont ses amis. Et mettez l'esprit de haine dans ses amis pour que ses amis puissent le haïr. Faites en telle sorte que son patron la déteste pour qu'il y ait des bagarres, des querelles entre eux. Que deux d'entre vous aillent dans les écoles, là où se trouvent ses enfants. Que deux d'entre vous soient des professeurs et mettez les démons dans ses enfants. Et que deux d'entre vous aillent au bureau de son mari, mettez la colère et la haine dans son mari pour que son mari aussi commence aussi à le détester, à le haïr. Travaillez en telle que vous puissiez éteindre la lumière en elle. Après avoir éteigni cette lumière, tuez-la. N'essayez pas de la tuer en ce moment parce qu'elle est sur le feu. Sinon, vous-même, vous serez des victimes. Dans leur église sont les jeunes gens, jeunes femmes qui vont se marier bientôt. Et la plupart d'entre eux sont ceux par qui le Seigneur a passé pour sauver ces gens. Et il est en train de leur montrer nos pièges. Si vous la voyez, c'est comme si elle est calme. Mais c'est une vipère. Et au travers d'elle, elle a délivré beaucoup de ces gens-là. Et beaucoup de ces gens que le Seigneur a passé par elle pour sauver sont des musulmans, des bouddhistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah. J'ai envoyé mes docteurs sorcières, mais elles ont essayé fatiguées. Qui elle pense qu'elle est? Quelle puissance elle a? Celle que j'ai envoyée dans son travail, les femmes que j'ai envoyées dans son bureau, elle les a tous détruits avec ses prières. C'est elle qui est sur le tabou actuellement. Et c'est d'elle que parle chaque jour notre chef Lucifer. Si quelqu'un arrive à la capturer, elle sera gradée. Wow. Quiconque l'aura sera gradé. Alors je vous envoie
vers les nouvelles âmes. Je vois que la plupart d'entre eux sont des jeunes gens, des jeunes filles, et beaucoup d'entre eux ont fini leurs études. Je vous envoie vers eux, ces nouvelles âmes, dans les sociétés, les entreprises. 90% des entreprises, des sociétés dans le monde entier m'appartiennent. Diminuez vos âges, parce qu'il y a plusieurs d'entre eux ont 27 ans déjà. Nous allons voir si eux aussi ne vont pas diminuer leurs âges pour chercher du travail. S'ils ont diminué leur âge pour chercher du boulot, tue-les immédiatement parce qu'ils vivent dans le mensonge. Mon Dieu. Ne leur donne pas l'occasion de se repentir. Nous savons que plusieurs d'entre eux vont bientôt se marier. Alors, je vous envoie vers eux. Révèle-toi dans des rêves comme enfant de lumière. Va dans leur centre de prière. Rentre dans leur chorale, leur groupe de prière, leur groupe d'intercession. Parce que il y a plusieurs d'entre eux qui sont dans le groupe de prière. Faites tout possible pour rentrer dans leur groupe de prière. Passe par des rêves. Révèle-toi en eux et j'envoierai une voix qui leur dira que tu es leur femme ou bien leur mari. Fais en telle sorte que tu peux les avoir. Fais tout que tu es leur mari ou bien leur femme. S'ils ont reçu cette certification que tu es leur femme ou leur mari, je te donnerai une flèche. Wow. Une flèche avec laquelle tu vas les détruire. Va vers eux, chez eux, dans leur maison, leur domicile, jusqu'à ce qu'ils commencent à se coucher avec toi. Et au travers de ceci, s'ils ont commencé à se coucher avec toi, et mets l'œil spirituel sur eux, et mets le serpent dans leur vagin ou bien dans leur pénis. Ils vont continuer à se coucher avec toi jusqu'à ce que tu les détruises, tu les tues. Ceux qui ont reçu des appels élégants, ils vont éviter les premiers pièges que nous les tendrions. Fais en telle sorte que eux commencent à se marier vite, sans même chercher le Seigneur au travers de la prière. Et au travers de ceci, tu vas les détruire comme nous l'avons fait au temps de Baba Ola et de John Wesley. Wow. Jusqu'à ce qu'ils ne sachent, ils sont déjà détruits. Tu les as déjà détruits. Nous allons vaincre. Je vois actuellement que parmi ces gens, ces jeunes filles, nous allons faire tout possible pour les descendre. Je ne vais plus vous dire ceci. Je ne vais plus vous dire ceci. Parce que j'ai transféré beaucoup de gens, 99%, en poudre. La machine crématoire est encore là. Si quelqu'un échoue à sa mission, je vais la transformer en poudre. La machine est encore là. Je vous ai donné toutes les puissances. Vous ne manquez de rien. Je vous ai donné les puissances, des différentes puissances, de différents fétiches, les gels que je vous ai donnés, les pommades que je vous ai données proviennent directement de Satan lui-même. Hein? Si vous utilisez ces pommades sur vos figures, sur vos seins, tous ceux qui vous regarderont auront leurs yeux fixés sur vous. S'ils échouent dans la prière ou bien dans la louange, ils auront leurs yeux fixés sur vous. Je vois que ceux qui sont des nouvelles âmes vont dans leur bureau, vont dans leur lieu de travail. Fais en sorte que tu sois transférés dans leur lieu de travail et détruis-les. Commence à les étudier petit à petit. S'ils ont leurs yeux braqués sur toi et te convoitent, fais en sorte que ceux qui les entourent commencent à les haïr.
met la confusion parmi eux, envoie des maladies, détruit-les avec la colère. Et s'ils tombent dans la colère, tue-les directement. Tue-les directement. S'ils tombent dans la colère, tue-les directement. Ne leur donne pas aucune occasion. Sois proche d'eux, s'ils sont des hommes. Approche-les pour qu'ils puissent regarder ta poitrine ou bien tes seins. Mets un esprit démoniaque dans son cerveau, dans leur cerveau. Et ces démons vont mettre une relation entre eux, vont mettre une relation entre vous. Les saints que je t'ai donnés, utilise-les. Considère-les comme sa collaboratrice. Fais en telle sorte qu'il ait son regard sur toi jusqu'à ce que tu reçois un signal. Et après avoir reçu le signal, tue-les. Sois en amitié avec eux, même s'ils ne veulent pas que tes effigies soient dans leur cerveau chaque temps, jusqu'à ce qu'ils tombent dans le péché. Déshabille-toi, sois nu en tout temps, sois nu, approche-les, sois nu. S'ils tombent directement, tue-les, ne leur donne aucune chance, aucune opportunité. Ne sois pas ami avec les faux chrétiens, mais utilise-les comme des outils pour détruire les vrais chrétiens. Les faux chrétiens, quand ils prient, Dieu n'écoute pas leurs prières. Leurs prières ne quittent même pas leur temple de prière. Les faux chrétiens, sois en amitié avec les vrais chrétiens. Tu comprends? Fais tout possible. Fais tout possible pour éteindre le feu en eux. Va sur Facebook. Je vois maintenant que maintenant ils sont en train de prêcher sur Internet. Ils prêchent sur Internet, sur Facebook. Toi aussi, va sur Facebook. Ouvre un compte. Apparais-toi comme un brebis. Utilise le nom de cet homme juste. Que ta photo les attire. Commence à prêcher la vérité concernant l'enfer et le ciel. Ils seront tes amis. Après qu'ils eussent des relations avec toi, commence à mentir et à mettre ces mensonges dans tes prédications. Quand ils commencent à recevoir ces mensonges, s'ils n'ont pas le discernement, nous les aurons tous. Je vous envoie dans les nouvelles églises qui s'ouvrent actuellement. Je vous envoie comme des pasteurs. Je vois actuellement que beaucoup maintenant sont en train de travailler. Beaucoup ont quitté la voie large et maintenant ils sont sur la voie étroite. Allez vers Waterman Church, MFM, Holiness Revival, celle-ci. Allez vers ces assemblées. Je vois que ces églises se réveillent. Allez dans l'église apostolique. On va comme un groupe. Mountain Fire and Miracle. Ten Vigil Ministry. Je vais Babu Revival Church au Zambie. Allez dans End Time. Nous avons déjà beaucoup dans nos mains. Allez à Deeper Life. Je hais beaucoup le leader de Deep Aleph. Nous avons passé par tous les moyens pour la voir, mais c'est difficile. Si nos pasteurs que nous envoyons prêcher la parole, après le départ de nos pasteurs, il vient détruire nos mensonges au travers les enseignements de l'école de dimanche. Qui croit qu'il est? Il est en train de détruire nos œuvres. Ça fait presque 40 ans. Alors je vous envoie vers ceux d'endroit. Parce qu'on a beaucoup d'agents dans Deep Aleph. Nous les avons déjà. 70% sont nos agents dans Deep Aleph. Ils s'habillent comme nous maintenant. Bientôt nous les aurons tous. Les gens de Deep Aleph, nous les aurons tous. Je vous envoie dans les écoles
pour que vous empoisonnez les jeunes gens, les jeunes filles, donnez-leur vos bics, les dons, faites-leur des dons. Je ferai que vous serez des plus intelligents de vos classes et vos camarades feront tout possible pour s'approcher de vous. Mais faites en telle sorte que les chrétiens s'approchent de vous. N'essayez pas de les tuer au moment où ils sont encore en feu, sinon vous serez victimes. Sinon vous serez des victimes. Les jeunes filles, les jeunes gens dans vos écoles, plusieurs d'entre eux sont avec vous. Vérifiez qu'ils ne sont pas encore gradués. Soyez en amitié avec eux, afin que s'il y a des tentations qui surviennent, ils ne vont même pas chercher à prier. Ils vont vous suivre et vont danser sur le tempo, le rythme de votre musique. Et le miroir que je vous ai donné, passez par ce miroir et détruisez, tuez-les directement. Le miroir que je vous ai donné pour identifier les faux chrétiens, les gens de ce monde et les vrais chrétiens. Je vous ai dit qu'il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des faux chrétiens. Je vous l'ai dit. Je vous envoie vers les vrais chrétiens. Je ne vous envoie pas vers les faux chrétiens. Faites tout possible dans les églises et éteins leur feu. Si tu t'approches d'eux, enflèche-les, détruis-les immédiatement. Ne leur donne aucune occasion de se repentir, afin qu'ils n'aient plus la force de lire la Bible. Il faut les détruire afin qu'ils n'aient plus la force de même lire la Bible. Mais moi, tu dis ça, ce n'est pas encore fini. Il y aura la partie 3, révélation 3 tout à l'heure. Ça va apparaître à la fin de cette vidéo, juste ici sur l'écran dès qu'elle sera prête. Mes frères et sœurs, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et si vous pensez que nous avons fait cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça m'étonne. Vous voyez comment le monde est en danger à cause des démons du diable, même de cette femme du diable. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.